Depuis le XIe siècle, Montsoreau s'étire le long de la Loire, au cœur d'une région aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le village se dresse face à la Touraine et au Poitou, à la limite de l'Anjou. On découvre ici ce que l'on nomme la douceur angevine, un climat serein dont 30 000 touristes profitent chaque année. Mais ce qui fait l'éclat exceptionnel de Montsoreau, c'est la blancheur de sa pierre de tuffeau. Et le village lui doit tout. Montsoreau est accroché à une falaise de craie blanche. C'est ce village qui a inspiré Alexandre Dumas pour son roman La Dame de Montsoreau. Et ce qui a fait également la renommée de l'endroit, c'est une pierre blanche qui s'appelle le tuffeau et qu'on a surnommé ici la pierre miraculeuse. Il faut dire que le miracle, il a été économique ici pendant 500 ans. Ça a permis à ceux qui travaillaient de bien gagner leur vie en extrayant la roche de la falaise. Et puis cette pierre, elle a permis aussi de construire quelques-uns des plus beaux châteaux de la Loire, comme celui qui est juste en face de nous, le château de Montsoreau. Une pierre blanche que l'on reconnaît bien, qui a fait également les façades des maisons, et qu'on va aller découvrir maintenant grâce à la caméra embarquée sur le drone. Le village est né de la réunification de deux bourgs, Rest et Montsoreau, construits au Moyen-Âge. Un lieu stratégique, une place forte idéale, point de contrôle des circulations terrestres et maritimes, permettant aux seigneurs et abbés de s'enrichir des droits de passage. À la Renaissance, les hommes ont découvert une nouvelle source de profit, sans savoir alors que le tuffeau signerait l'identité culturelle du Val-de-Loire. Ce chemin qui passe à travers la roche, il a un très joli nom. Ça s'appelle la ruelle des Perrayeurs. Alors les Perrayeurs, il faut que je vous explique un peu. C'est le nom qu'on a donné ici pendant des années à ceux qui travaillaient la roche, qui l'extrayaient de la falaise. Une activité qui s'est arrêtée en 1830 à Montsoreau. Mais depuis, il reste d'immenses trous comme celui-ci, qu'on a transformé pour certains en cave à vin, du fait de l'humidité, pour d'autres en champignonnière, là aussi grâce à l'humidité, et d'autres, ça c'est plus original, sont devenues des habitations troglodytes. Et contrairement à l'image qu'on se fait des troglodytes, ce n'est ni sombre, ni petit. Vous allez voir. Daniel est expert dans le travail du tuffeau. Pourtant, il n'est pas tailleur de pierre. Jusqu'à sa retraite, cet ancien Parisien venait tous les week-ends construire sa maison troglodyte. Aujourd'hui, il y vit en permanence. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un scier une pierre. Oui. Je ne savais même pas que ça pouvait se faire. Enfin, moi, je fais ça régulièrement, oui. Pour restaurer. Initialement, c'était une carrière creusée pour l'extraction du tuffeau. Et il y a même du tuffeau qui a été exporté jusqu'à Alger, puisqu'on parle d'Alger la Blanche. Et il y a une partie donc d'Alger qui a été construite avec des pierres de tuffeau. Donc peut-être que des pierres de cette maison sont aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée. C'est fort possible, oui. Ouais. C'est impressionnant le volume, là, dites donc, quand on arrive. Oui, quand on arrive à ce stade-là, oui, on a une nouvelle découverte en fait. On découvre en deux temps l'entrée avec la petite partie paysagère, et puis alors après, vraiment ce qui était autrefois une carrière et qu'on a aménagé au fil du temps. On l'a végétalisé. Là, vous avez combien de hauteur sous plafond quand on est sous la voûte? En tout, il y a 9 mètres. Et après, il y a entre 1 mètre et 1 mètre 50 de rochers et de terre au-dessus. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée incroyable de venir habiter comme ça, dans la roche, dans la falaise? Alors ça remonte à l'époque où j'ai rencontré ma femme, qui est de la région. J'ai rencontré ma femme, je suis tombé amoureux d'elle et puis je suis tombé amoureux des troglos aussi en même temps. Ah oui, c'était un paquet. En plus de ça, on peut dire que bon, chacun a un petit grain de folie dans sa tête. Moi, mon petit grain de folie, c'est de creuser. J'adore creuser. Ça peut paraître bizarre, mais donc dans un milieu comme celui-ci, c'était franchement l'idéal, quoi. Parce que je peux m'en donner à cœur joie. Donc tous les week-ends, vous creusez? Pratiquement tous les week-ends, oui. Voilà, on arrive dans la partie qui n'était qu'une carrière quand on a acheté. Donc tout ce qui a été construit, tous les appareillages de pierre, c'est des choses que nous avons conçues pour profiter un petit peu plus de l'espace. Toutes les pierres qu'on voit là sur le mur, c'est vous qui les avez découpées, comme celles que je vous ai vues scier en arrivant? Tout à fait, tout à fait. En fait, toute l'histoire de la maison est résumée ici dans les murs. Si on regarde simplement autour de nous, on comprend tout ce qui s'est passé depuis plusieurs siècles.
C'est une maison qui a une âme. C'est pas comme la plupart des maisons qui viennent d'être construites. Là, il y a une âme qui c'est quelque chose de phénoménal parce que on peut s'imaginer, en montant dans le temps, on peut s'imaginer le premier pérailleur qui est arrivé avec son pic pour taper dans la falaise. Et on voit après les successions de générations qui ont pu creuser et extraire le tuffeau dans toutes ces caves. Mmh. Enfin, c'est quand même pas le genre d'endroit où on vient habiter par hasard, avec de la roche au-dessus de soi. Enfin, c'est une maison coup de cœur. Il faut être séduit par lieu. Non, c'est ça, c'est des maisons passion. Il y a des gens qui sont passionnés d'entrer, qui disent oh, c'est merveilleux, c'est spectaculaire. Et puis d'autres qui disent oh là là, moi je rentre pas là-dedans, c'est trop dangereux. Ouais, il y a des gens qui ça peut faire peur dans toute cette masse de pierres au-dessus de nous quand même. D'ailleurs, je la regarde en même temps. C'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant, mais enfin, ça a été, au fil du temps, justement, ça a été conforté. On a fait beaucoup de boulonnage, il reste encore des parties à faire, mais toute la partie dans laquelle il y a du passage a été sécurisée. C'est rassurant. C'est rassurant, oui. Ah, les poissons sont magnifiques aussi. Ouais, c'est des carpe-coï. Alors ça, je leur donne à manger et elles sautent sur le caillou. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Dans les troglodytes, la température est quasi constante, frais l'été et chaud l'hiver. Peu importe, pour Daniel, dormir sous la pierre de tuffeau est un rêve devenu réalité. Donc ça, c'est vous qui l'avez rajouté, là? Ça, c'est nous qui l'avons rajouté, oui. Ça a été complètement construit de nos mains. Très étonnant comme endroit. Hein. On est dans le rocher, on est dans un cocon. Même les gens qui sont un petit peu claustrophobes se sentent bien. C'est mon cas. Vous souffrez pas pour l'instant. Non, très bien. Problème, ouais. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a en nous ce besoin de se sentir protégé quand on se retrouve pour dormir? Oui, je pense que ça vient de l'inné. Les hommes préhistoriques habitaient dans des cavernes. Ça s'est transmis, je pense, au fil des générations, au fil du temps. Et si, à tel point que même maintenant, de façon inconsciente, on se sent bien dans un milieu comme celui-là. Mmh. Donc vous vivez sous terre, caché à l'abri. Et heureusement, quand même, à l'extérieur, il se passe des choses. Oui, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a alors dans la lumière? Dans la lumière, il y a notre jardin potager. Il y a la petite terrasse pour la bronzette de Nicole, à droite. Là, nos laitues, nos radis, nos tomates. C'est difficile de jardiner. Ouais. Parce que souvent, on a les mains sur le manche et puis on regarde le paysage. Et vous m'inviterez quand on sera fini? Il n'y a pas de souci. Et après le potager, on arrive dans un autre puits lumière, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à chaque fois on ici. On retrouve, par où on est rentré au départ, on retrouve du dessus l'entrée du troglodyte. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tout ça grâce au tuffeau. Tout ça grâce au tuffeau qui est en fait la pierre emblématique de l'Anjou et de la Touraine. Les noms des rues retracent souvent le passé d'un village. Ici, la montée du trépas des Trois Abbés fait référence à la marine de Loire du XIIe siècle. Le trépas est une taxe sur les marchandises convoyées sur le fleuve et qui revient de droit aux abbés. Anne-Emmanuelle travaille à l'Office du tourisme. C'est elle qui va me révéler la véritable histoire de la romanesque Dame de Montsoreau du XVIIe siècle. Quelle est la part de vérité dans le roman d'Alexandre Dumas? De vérité historique. Françoise de Méridor, de son vrai nom et non pas Diane de Méridor dans le roman d'Alexandre Dumas, était bien comtesse de Montsoreau et elle a connu par la suite Bussy d'Amboise qui lui était gouverneur d'Anjou. Donc retenu en province parce qu'il était en froid avec le roi de France. Quant à Françoise de Méridor, son mari Charles de Chambre était grand veneur du roi. Donc lui était retenu à la cour de par sa charge. Très occupé, donc il ne s'occupait pas d'elle. Exactement. Donc Françoise de Méridor, elle, était en province, s'ennuyait un petit peu et trouvait en Bussy d'Amboise un charmant compagnon pour aller faire de belles chevauché. Ah, j'ai très peur. Dans les bois aux alentours. Donc Bussy d'Amboise, par la suite, a estimé que la belle Françoise de Méridor allait probablement céder à ses avances. Mmh. Et il écrit un billet qui, malheureusement pour lui, a signé son arrêt de mort, puisque dans le billet, il écrit « J'ai tendu des restes à la biche du grand veneur, je la tiens dans mes filets ». C'est une belle formule, en tous les cas. C'est une belle formule, bien écrit, bien mais on ne peut plus clair, puisque la biche du grand veneur, on parle bien de Françoise de Méridor. Donc malheureusement pour lui, le billet arrive entre les mains du roi de France, qui, en froid avec Bussy d'Amboise, remet aussitôt le billet à son haut mari, Charles de Chambre, qui rentre aussitôt en province. Je sens que ça va mal se finir, cette histoire. Mais on est bien d'accord, puisque quand Charles de Chambre rentre en province, il intime l'ordre à sa femme d'écrire un billet à Bussy d'Amboise. Bussy d'Amboise arrive, bien entendu, le soir même
au rendez-vous fixé par sa dulcinée. Et là ? Sauf que c'est pas la belle Françoise de Méridor qui l'attend, mais le mari, qui avait monté un guet-apens. Bussy d'Amboise est mort ce jour-là. Et c'est donc là, dans cette maison précisément, que tout ça s'est passé. Exactement. Et par la suite, ce logis a connu une fin plus heureuse, hein, puisque Françoise de Méridor s'est réconciliée avec son mari Charles de Chambre et à la suite sont nés cet enfant. Ça m'assure parce que moi j'aime bien les histoires qui finissent bien, quand même. Petite photo alors, attends, il faut prendre un peu de lumière. Là, dans le petit coin. Ah, allez, puni ou quoi ? C'est ça. Dans les années 1830, quand l'extraction de la pierre de tuffeau s'est arrêtée faute de matières premières, la falaise de Montsoreau, percée de carrières, a été transformée en champignonnière. La moitié de la production française vient aujourd'hui du Val-de-Loire. Pierre Gastine, voulant fuir les embarras de la vie parisienne, a acheté il y a 3 ans un restaurant à Montsoreau. Il a ensuite découvert une champignonnière qu'il fallait entretenir. Sa vocation était née. Ici, c'est 80% d'humidité. Pas bon pour les articulations, mais très bon pour le champignon. Le champignon adore l'humidité. Alors ça, c'est quoi comme champignon, en l'occurrence ? Alors c'est le shiitake, le lantin du chêne en français. C'est un champignon qui est à la mode, parce qu'il est très bon, très pratique, qui se conserve bien et surtout qui a très bon goût. On se croirait un peu dans un décor de cinéma, en fait. Il y en a beaucoup comme ça, des bottes avec les champignons dessus. Oh bah j'ai pas compté, mais il y a ici une dizaine de tonnes, bah ça doit faire un millier. Une dizaine de tonnes ? Ouais, une dizaine de tonnes en permanence. Ça dépend un petit peu quand la saison. C'est un peu bas de plafond, là, non ? Ouais, bah c'était autrefois la hauteur de l'exploitation. C'est-à-dire que les hommes qui creusaient la pierre ici le faisaient exactement comme ça. Voilà, la taille faisait à peu près 2 mètres par côté, quoi. Et donc, ce qui est un peu inquiétant quand même, c'est tout ce qui est au-dessus de nous, si c'est aussi haut, c'est parce qu'un jour, ça s'est effondré. Ouais, mais en vrai, c'était pas non plus avant-hier. Hein. Ça fait 500 ans que c'est comme ça ici. Donc, il y a eu des effondrements réguliers, ça c'est vrai. D'où des remblais, tu vois, qui ont été repoussés pour qu'on puisse continuer à exploiter la mine. Alors, autrefois, les gars, ils travaillaient, c'était des hommes hein, qui travaillaient parce que c'était un travail hyper physique. Puis après, quand on a fait du champignon, bah, c'était en train de travailler les femmes et les enfants. Dans des conditions qui n'étaient pas très agréables quand même. Là, l'univers dans lequel on est, on ne voit pas la lumière du soleil, il fait froid. Bah, il fait froid, c'est humide, il faut se baisser. Donc pas bon pour le dos. Et donc les gens qui avaient 30 ans d'expérience, ils avaient tous le dos cassé. Et c'est quoi ta spécialité avec ces champignons ? Alors au resto, la spécialité, c'est les galipettes. Ça m'inquiète. Mais non. Alors les galipettes, en fait, c'est un mets local hein, d'Anjou, du champignon farci. Voilà, ici, c'est depuis 500 ans qu'on fait à manger. Du pain, au départ, dans un four à pain, et puis maintenant, du champignon farci. Donc on garnit nos champignons avec de l'andouille, du fromage, de chèvre, du coin, avec des escargots, et avec également de la rillette. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on fait de la galipette rillette. Ça a l'air super léger, vu ce que tu me racontes. Tu vas voir, mais ça cuit au four, le gras part, hein, il te reste quelque chose de très appétissant. Alors, donc, on prend notre chapeau, tu vois, donc on a une rondelle, on met une petite mélange top secret, évidemment, et puis on va prendre une tranche d'environ 80 grammes de rillette. Et là, on va tartiner, très simplement, comme ça. Tout à la main. Tout à la main, artisanal quoi, mais avec amour. Tu as un bel objet, une belle soucoupe, et ça, on va pouvoir mettre ça au four. Directement. Directement, et dans 3 minutes, tu te régales. On déguste. D'où ça vient cette recette de la galipette ? Oh bah ça, c'est l'époque où tu sais, les champignons étaient cultivés en cave, et puis... Ils étaient vendus toujours à la taille commerciale, peut-être à la taille d'un champignon de Paris, mais des fois, il arrivait qu'on en oublie d'en prendre certains, donc ils arrivaient à avoir une grosse taille. Ouais. Et ça, c'était pas vendable. Donc en fait, c'était donné aux employés hein, par le patron. Ça sent super bon. On la mange, celle-là ?
ça doit être à température. Ouais. Tu vas me dire, très honnêtement... Alors déjà, moi je goûte avec les yeux, hein, c'est ma grande spécialité, ça. Et en fait, c'est juste délicieux. T'en prends combien? Je sais pas, une tonne et demie. Combien tu peux en prendre? Je te préparerai ça, tu vas partir avec. Ça, c'est sympa. Non, malheureusement, tu pourras pas partir avec le four, donc tu pourras... C'est ça la recette, hein, c'est qu'il faut avoir un four. Un four à pain, ça crache du 400 degrés, donc c'est ça qu'il faut pour que le champignon perde son eau, justement. Tu m'en veux pas pendant que tu parles, moi je mange, hein. Parce que c'est super bon. L'endroit ici a un nom que j'aime beaucoup, je trouve ça plein de poésie, ça s'appelle le Saut au Loup. Ça vient d'où ce nom-là? Alors, bah, ça remonte au 12e siècle, paraît-il. C'est un endroit, c'est, toi, c'est un saut de falaise, un saut du relief, hein, au Loup, parce que c'était sans doute un endroit où les loups venaient souvent. Ouais. Hein, et d'ailleurs, il y a un autre petit patelin à côté qui s'appelle Pas de Loup. Il y a une rue au Loup juste à côté aussi. Beaucoup de loups qui sont installés là, oui. L'autre point qui est très important dans la région, il est juste sous nos yeux, c'est la présence de la Loire. Ça a vraiment désenclavé le village de Montsoreau. C'était essentiel pour son développement ici. Ah bah oui, parce qu'ici, on faisait de la pierre de tuffeau qui partait, qui descendait jusqu'au bord de l'eau. Et après, ça partait en Gabarre, ça partait jusqu'à Nantes. La ville de Nantes était construite avec du tuffeau d'ici, hein, du Saumurois, pas seulement aussi du Saumurois. Les Gabarres, c'était des bateaux à fond plat. Hein. Ouais. Et bah, l'intérêt aujourd'hui d'avoir la caméra embarquée sur l'hélicoptère, c'est qu'on va aller survoler la Loire pour comprendre à quel point elle a permis de désenclaver Montsoreau. Vous allez voir. Le tuffeau n'encombre plus les quais depuis bien longtemps et l'on ne transporte plus de marchandises sur le fleuve depuis 1910, le cours de la Loire n'ayant jamais été vraiment fiable. Aujourd'hui, la circulation est réservée à la seule navigation de plaisance. Faites attention, vous mettez les pieds en embarquant. Il reste quelques bateaux cabanés, dont celui de Robin. Salut Robin, ça va? Bienvenue à bord. Merci. Le père de Robin avait construit cette embarcation pour promener sa famille. Mais l'affluence des visiteurs a transformé le projet en balade touristique. Alors ici, il y a toujours eu des problèmes pour naviguer. En fait, là, par exemple, on navigue dans 1,20 m d'eau, là, à peu près. Il y a des endroits où on navigue dans 65 cm d'eau. Et, ouais, exactement. Et à cette saison, eh bien, beaucoup de bateaux ne pouvaient plus naviguer. Il y a des moments où, des fois, sur toute la largeur de la Loire, on n'a pas plus de 15 cm d'eau. Il y avait parfois des crues importantes et parfois il y avait tellement d'eau que les bateaux ne pouvaient plus passer sous les ponts. Donc trop d'eau parfois, pas assez d'eau. Des fois il faisait très froid, il y avait de la glace sur la Loire et les bateaux restaient bloqués. Et à ce moment-là, eh bien, la marchandise se datait pendant le voyage. La navigation commerciale s'est ralentie en 1846. Au caprice de la Loire, les hommes ont préféré la régularité du chemin de fer. Robin s'arrête à 1 km du village, à un endroit particulier, au point de confluence entre la Vienne, sur laquelle nous naviguons, et la Loire, qui est juste derrière le banc de sable. Il y a une différence de couleur entre l'eau de la Vienne et de la Loire, qui est due au fait que l'eau de la Vienne et de la Loire, eh bien, elle passe sur des terrains qui sont différents. Une eau de la Vienne un peu plus foncée, parfois elle a un reflet bleuté. Et l'eau de la Loire, elle, a tendance à être légèrement plus verte. Ouais. Et on dit même qu'elle met des kilomètres à réussir à se mélanger. C'est vrai que les habitants du village de Montsoreau, eh bien, ont tendance à dire que devant le château de Montsoreau, c'est pas l'eau de la Loire qui passe, mais l'eau de la Vienne, puisque bah, juste devant le château, en effet, il y a plusieurs mètres là où l'eau de la Vienne, ce n'est pas encore mélangée à l'eau de la Loire. Malgré ces différences d'appréciation, le château de Montsoreau est bien classé parmi les châteaux de la Loire. Depuis le XIe siècle, il se dresse comme une vigie, tantôt château fort, tantôt demeure d'agrément. Sa dernière restauration datant de 1999. Anne Emmanuel, de l'Office du tourisme, connaît tout de son histoire mouvementée. Ce qui nous surprend quand on arrive au pied de ce château, c'est la façade qui est magnifique, extrêmement bien restaurée, on a l'impression qu'on est en pleine renaissance. Et à côté, il y a des parties qui semblent soit en cours de construction, soit en cours de destruction. On n'arrive pas trop à se positionner dans tout ça. Alors, on a toute une partie, en fait, qui a connu une phase de déconstruction, puisque le château, quand il a été déclaré bien national à la Révolution française, il a commencé à être pillé, hein, et puis vendu par la suite à 19 petits propriétaires. C'était une copropriété, là, en fait. C'est un peu ça, tout à fait.
Toutefois, c'était quand même une demeure assez froide et austère, pas facile à chauffer. Et puis, on était en pleine époque de l'extraction de la pierre de tuffeau, de la marine de Loire. Donc, c'était quand même une activité très intense sur la Loire. Et on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus lucratif de vendre les pierres de tuffeau que d'habiter dans ce grand château. Déconstruit le château. Donc, on a commencé à déconstruire le château petit à petit pour vendre les pierres de tuffeau. Quelle horreur! Donc là, ce que l'on peut voir aujourd'hui, en fait, c'est donc une restauration qui est assez intéressante, qui a été entamée au début du XXe siècle, grâce au marquis de Joffre. Il est arrivé à Montsoreau, il a trouvé que le site était quand même très intéressant, stratégique. Et donc, petit à petit, il a pu acheter les propriétés et restaurer le château de Montsoreau. Tout ça, c'est la partie restaurée, et c'est par là qu'on entre d'ailleurs. Tout à fait. Donc nous allons rentrer dans la tourelle Renaissance. Magnifique. Ce château aujourd'hui il est vide, inhabité, mais c'est un musée. Et le plus intéressant, pour être sincère, c'est ce qu'on trouve parfois ici sur les murs. Ça, c'est une partie de notre histoire, c'est une pièce unique. C'est une partie d'histoire nationale, voire internationale, puisqu'ici, le graffiti que l'on peut voir, en fait, a été laissé par des prisonniers. Hein, quand il y a eu les guerres d'indépendance aux Amériques, des prisonniers ont été enfermés au château de Montsoreau, mais aussi au château de Saumur. Hein. C'était à quelle époque, ça? Alors, c'était au XVIIIe siècle, hein, vers la fin du XVIIIe siècle. Les prisons, en fait, de Brest étant trop pleines, on a installé des prisonniers ici, au château de Montsoreau. Et puis, pour se souvenir un petit peu de leur périple sur la mer, ils ont souhaité graver comme ceci des bateaux. Et puis surtout graver dans le tuffeau, qui est la pierre de la région encore. Une pierre de taille, une pierre très tendre, hein, c'était très facile de pouvoir graver directement à même le mur. Hein. Tout ça, ça nous rappelle la vie sur l'eau. L'eau, elle est très présente, on la voit d'ailleurs du château ici. Exactement, donc je te propose qu'on monte tout de suite sur les terrasses. Ah oui. Là, on aura une très jolie vue sur la Loire et sur la confluence, la vie des mariniers, on pourra en parler un petit peu et plus tard. Et on va le faire avec le drone. On est quand même bien récompensé parce que la vue est juste magnifique. Et surtout, c'est la même vue qu'avaient nos anciennes générations il y a pratiquement un millier d'années. Oui, le château date du XIe siècle. Enfin, le château primitif a été construit au-dessus de la Loire. Ça permettait ainsi de mieux préserver la province de l'Anjou des invasions. Ici, à la confluence entre la Loire et la Vienne. J'étais d'ailleurs ici, à quelques minutes, en bateau. Oui, je t'ai vu passer tout à l'heure et j'ai fait coucou, mais personne n'a répondu. La prochaine fois, je te saluerai courtoisement. Pour me faire pardonner, j'invite Anne-Emmanuelle à une dégustation de vin de Loire, une tradition dans la région. Du haut de la falaise, on aperçoit les vignes à perte de vue. Juste en dessous, on goûte avec modération les vins locaux, conservés dans des caves, évidemment creusées dans le tuffeau. C'est Bernard Pellet, l'unique négociant du village, qui reçoit. Prenez un petit test vin, un petit carnet, un petit crayon. D'accord. Pour noter vos ressentis sur les vins. L'intérêt d'être dans une ancienne carrière de tuffeau, c'est qu'il y a de l'humidité, de la fraîcheur. C'est juste l'endroit idéal pour le vin, en fait. Oui, parce que le tuffeau a cette propriété-là de redonner de l'humidité constante, hein, qui peut dépasser 75% certaines périodes. Pour la conservation des vins, c'est idéal, car le bouchon a besoin de cette humidité pour garder son élasticité et son côté étanche. Et le vin respire à travers le bouchon, très lentement, mature, et à l'humidité du tuffeau permet de conserver les vins au mieux. C'est plus sec. Pour le dessus, c'est-à-dire au niveau des vignes, l'intérêt de la tuffe, c'est qu'en cas de sécheresse, la vigne puise à travers la tuffe son besoin en eau. Qui restitue l'eau par porosité, en fait. Par porosité, par capillarité. Et également, en cave, on a un dégagement d'humidité importante dû à la respiration de cette pierre de tuffe, qui est en fait relativement porose. Donc ici, il faut vraiment faire du vin, quoi. C'est l'intérêt de la cave. On va faire une petite photo pour fêter ça. À la vôtre et à votre accueil à Montsoreau. Merci. Vive le tuffeau. Et vive le tuffeau. Quelle belle soirée. C'est là que le tuffeau devient le plus beau d'ailleurs le soir. Comme ces hirondelles qui nichent dans la falaise blanche de Montsoreau, les villageois ont trouvé protection et richesse grâce au tuffeau. La pierre tendre se conjugue avec la qualité de vie, la bien nommée douceur angevine des bords de Loire.
goûteront la qualité de vie en Alsace et plus précisément dans le village de Kaisersberg. Mais dans un instant, Xenus nous dit pourquoi et comment arrêter de fumer.